peine arrivée à Silreap, maman nous avait inscrites à un stage de cirque. Oui, de cirque. Nous avons donc quasiment enchaîné nos 24 heures de bus pour venir du Laos avec un cours d'acrobatie. Quelle drôle d'idée, êtes-vous sûrement en train de penser. Oui, mais voilà, le cirque phare n'est évidemment pas un cirque comme les autres. Le Cambodge a une histoire récente, assez compliquée et douloureuse. Et c'est dans les camps de réfugiés Khmer, en Thaïlande, qu'est née il y a 20 ans maintenant cette association. Au départ, il s'agissait surtout de soigner de jeunes Cambodgiens, grâce au dessin par exemple. Ça s'appelle de l'art-thérapie. Et puis, d'année en année, le programme a évolué et s'est professionnalisé. En effet, le spectacle que nous avons pu voir à Siem Reap est joué par des circassiens professionnels, tous issus de l'association phare. Phare, située elle à Battambang, continue bien sûr, au-delà de l'époque classique, à former les élèves qui le souhaitent aux arts du cirque, de la musique et de la peinture. Une manière bien sûr de reconstruire leur pays grâce à la culture khmer. Et nous aurions bien aimé y revenir chaque semaine,